Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma suspension que j'ai reçue du site Light Online. Donc c'est la suspension Junit Gelato de chez Schneid Studio. On a une première ampoule, une petite notice explicative. On a le cable cup en silicone et en silicone blanc, bien souple. Dans notre cas, ça va être parfait parce qu'on a une pente qui est assez inclinée, donc ça va permettre de bien pouvoir se plaquer à notre mur avec un domino qui est fourni et l'attache. Une ampoule plus petite et la suspension en question. Donc là, on peut tout de suite voir qu'on a une très belle longueur de câble, donc ce qui va être parfait dans notre cas puisque on a une grande hauteur sous plafond. Et le luminaire en question, voilà, en hêtre, donc qui se découpe en trois parties. On peut très bien imaginer aussi inverser les parties, c'est très flexible. Donc là, on prend notre cable cup, on insère notre câble, et une fois que c'est fait, là, on retourne le cable cup pour pouvoir venir brancher le domino. Donc là, je vais venir insérer l'anneau de la cable cup dans l'anneau qui est fixé au plafond. Et ensuite, je viendrai insérer à nouveau les fils électriques. Voilà, donc notre luminaire est maintenant fixé et raccordé. On va pouvoir retourner la cable cup. Et voilà, qui vient tout de suite épouser la forme, l'inclinaison du plafond. Alors voici le résultat. Donc ça nous donne une belle luminosité avec l'ampoule chaude, couleur chaude qui est fournie. Voilà, donc je suis ravie de mon achat chez Light Online pour ce luminaire de chez Gelato. Il est à la fois sobre, simple, très très simple même à poser, et il est élégant et il s'adapte à tout type de pièces. Nous, on a choisi une chambre d'enfant, mais on aurait très bien pu le mettre dans un couloir, un salon ou bien même une cuisine.